Ah. Allez, on démarre le Bullet Brawl contre FSO qui nous vient d'Ukraine. Attention, il joue vite. Ok. Ok, c'est un petit malin. Ah, il y a peut-être fou B5 ici qui est très pénible. Ouh là 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 là, c'est la cata. C'est la cata totale. FSO qui est très très bien. Aïe 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 aïe. Il a un petit elo mais il joue très très bien. Allez, on va descendre le fou. Allez, on va réattaquer la tour. Allez, on va essayer de pousser un petit peu. Peut-être on peut récupérer une caloche. Peut-être on peut récupérer quelque chose avec du fou H2 échec. Allez, on va prendre ça. Allez, on va ramener la dame en H4. Et on va essayer d'aller attaquer comme des bourrins. Ok, la dame en G3. Ah, il y avait dame prend H3. Aïe, 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 aïe. Je suis pas encore en forme. J'ai raté dame prend H3. Allez, on va ramener plus de matos. On va ramener un maximum de matos. Ok, tour 2, on a ce tour prend G2. Il se défend bien. Allez, on menace quand même. Ah, il a mieux joué que moi pour le moment. Hein. Il n'y a pas tortillé. Jusqu'ici, il a été beaucoup plus fort. Joueur qui n'était pas très bien classé de base. Ça sert un peu à rien ce que je viens de faire. On va essayer de faire un échec. Monter le roi. Il faut qu'on essaye de l'avoir à la vitesse. C'est vrai que c'est là que ça marche pas mal. Et voilà FSO. Yes, ok. Partie absolument pourrie, il faut le dire, partie absolument pourrie, mais ok, on l'a eu au speed. Allez, je vais mettre les deux souris, il faut que je me réveille là. Ça arrive pas très vite au cerveau là. Ok, mon elo là, c'est mon elo boulette. 2529, mon elo partie blitz est au-dessus de l'elo boulette, donc c'est assez fantastique. Ok, fou G4. J'aurais peut-être dû prendre un F3. Ok, le mec va pousser les pions. Donc on est dans une carocane. Allez, on va prendre le pion D4. Ça ressemble à une Scandinave avec des temps de plus ici en fait. Ok, fou E4. Je menace la tour, je menace le caval. Ok, on va menacer le caval du coup. Allez, on va aller prendre son pion. Un pion, ça reste un pion. Allez, je vais lui mettre un échec. Ok, on va prendre ici la dame en F5. Ah, il a pion F3, cavalier F6. Et je perds du matos. Aïe, 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 aïe. Une nouvelle fois. J'ai pas super bien joué. Ok, pour le moment. Le cavalier tient. Ouais, c'est un peu inquiétant là ce qui est en train de se passer. On va faire grand roc. Mais le problème, c'est que je peux pas faire grand chose. J'ai pas vraiment d'attaque ici. Ok, peut-être qu'il va y avoir des menaces de mat. Oulala, dame G3. Il a plus de casse pour le roi. Dame F2 forcée, dame prend F2 mat. Ah, son roi sera resté au centre trop longtemps. Le butcher, le boucher. Le boucher qui donc fait pas du tout une boucherie. Allez, fou B5 échec. Avec un nom comme le boucher, on a envie d'échanger les pièces. Allez, C4, un étau de Maroxy. Tout ça, c'est théorique. Je me rappelle plus très bien de la théorie ici. Je dois vous avouer, mais je me rappelle vaguement de quelque chose comme ça. Cette position qui m'a l'air de ne rien m'apporter, mais alors du tout. Mais ok, c'est une position, ça joue. Ok, il affaiblit D5. Ah, c'est pas mal joué puisqu'il va pouvoir rejouer D5. Donc cavalier A4, j'ai la case B6 éventuellement pour le cavalier. Pour réussir à récupérer éventuellement cet échange.
Mais ça me mène pas. Pas bien loin. Puisqu'il faut le signaler, ce pion A2. Ok, j'ai réussi à l'échanger. Donc j'ai un pion passé en B. On va essayer de le mettre passé en A. Aïe, j'ai oublié ça. Oh, quel idiot. La double attaque. Alors, c'est directement fini. J'ai juste raté cette double attaque. Je suis pas trop dedans encore. On va essayer de changer une paire de dames. On va ramener le roi comme on peut. Mais ça, je crois que c'est complètement mort. Pion passé, évidemment, ne suffit pas ici. À faire quoi que ce soit. Ok, donc forcément, c'est facile à gagner ça pour les noirs. Ok, j'ai réussi à faire quelques pré-moves ci et là. Je récupère un pion. Ok, je suis maté. J'ai pas mal lutté quand même. J'ai pas mal lutté. Ok, on va faire la dame B6. Ah, j'aurais pas dû prendre ici. Bon, allez, on va tout échanger. On va essayer de mettre le cavalier en B4. Mais j'arrive un coup trop tard. Ok, on va donner un échec. Non, 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 il faut surtout pas bouger ici. Ok, il gagne la paire de fous, mais c'est pas trop grave. Ok, on va prendre le cavalier, on va mettre le cavalier en E4 sur échec. On va aller prendre ce fou. On va aller prendre cette tour. On va jouer grand roc. Ok, je vais aller prendre le pion A3, mais il peut récupérer l'autre pion. Ah non, j'ai fou C5. J'ai fou C5, la pointe. Le pion D4 est cloué, donc je protège à 7. Ok, fou C7. Tour H8, la colonne ouverte. Allez, il va falloir la jouer, celle-là. Ok, on va prendre une fois. On va faire un échec. On va reprendre une autre fois. Mettre le roi en D7 pour éviter fou E6. Ok, on va faire A5, histoire de pouvoir reculer le fou. Ok, roi C7. Pour le moment, je défends tout. Même si je suis légèrement sous pression. Fou H3, j'ai F3. Okay, on va passer le fou derrière. C'est tendu de chez tendu. En fait, j'aime pas trop ma position. Parce que j'ai l'impression que c'est plus facile à jouer pour lui. Allez, on va pousser. Allez, on va pousser. Ok. On va faire un rapide. On va pousser en A2. Il faut arriver en F6 sur échec. Non! Oh non! Je suis complètement raté. Aïe 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 aïe. Fou F6, c'était la faute. J'aurais pas pré-move, j'aurais gagné. Ah, je le dominais bien là. J'avais bien joué cette finale. C'est très dommage. C'est très très dommage d'avoir perdu. Partie qu'on méritait quand même de gagner. La précédente, on l'a mérité plus que lui. C'est quand même très dommage. On va échanger. Je vais mettre F3. Ok, c'est pas le top que la manière dont je joue. Mais ok. Attention au pion là-bas. Et ok, j'ai assez mal joué pour le moment. Après avoir gagné le pion. Mais ok, je sécurise. Ok, on va gagner la case D5. Sur échec, ok, là il s'est gouré. Ok, ça, ça va normalement quand même.
Ok, continue à donner des pions, je vais les prendre. Ok, je vais sécuriser C2 en fait. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de tour C8 de mauvaise blague. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Bien sécuriser le pion. Et maintenant, on va faire un échec. Ok, on va menacer mat en B5 et mat en C6. Ok, on menace deux mats. Et là, on l'a maté. Ok, come on. Ok, veut pas rejouer. Ok, donc on a raté une partie, assez dommage, mais ok, sur ça là, on a gagné tranquillement. Allez. Donc le boucher, c'est un chess bras, mais ok, on l'a dominé, on l'a dominé. Honnêtement, ok, on gagne 3-1, c'est la même, enfin, ok, c'est 2-2, mais on aurait pu gagner 3-1. On aurait pu gagner 3-1. Ok, naughty, naughty dancho. Ok, donc lui déjà, il monte tout de suite la couleur en faisant un abort. Allez! On va essayer de prendre un nouveau. D'ailleurs, salut à Morgus, salut à Gionzor. Salut à Simchess. Allez, faut recommencer. Retrouvons notre adversaire. Bah allez, c'est pas possible de pas trouver un adversaire plus rapidement. On fait du boulette, hein. On fait pas un truc sérieux là. Allez, 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 on se bouge un peu les adversaires là. Une partie, une partie, une partie. Allez. N'importe qui. Venez, 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 venez. Où ils sont? Peut-être les bouger, faudrait peut-être avoir une musique, une espèce de danse. Une espèce de danse, un peu comme les danses pour qu'il y ait de la pluie. Peut-être une danse spéciale pour que les gens viennent faire des blitz. On sait pas. On espère en tout cas. On reprend un joueur qui est pas super bien classé, c'est dommage. Mais ok. Ok, le mec joue une française. Ok, va rentrer au Binstein. Je suis pas sûr que D3 soit le bon coup ici, mais ok, on va échanger des pièces. Ok, on va roquer petit. On va jouer C3. On va jouer solide pour le moment. Okay, on va mettre la dame en D3. Ok, du coup, je mets le fou en H6. Je vais me développer tranquillement. Ouais, on va mettre la tour en E1. Ok, pour le moment, je sais pas trop. Peut-être qu'il y a B5 à un moment donné. Aïe, 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 aïe. Ça sent pas bon directement. Je sentais qu'il y a un problème avec tour 1, je sais pas pourquoi. J'ai senti qu'il y avait une menace. J'arrivais pas à l'identifier. T'as dû faire qu'il y avait B5 d'abord, d'ailleurs, tout à l'heure. Mais ok. C'est pas dramatique. Qu'il y ait D6. Il joue un peu avec le feu, mais cavalier prend E8, cavalier F6 échec, y a rien. Ok, on va jouer dame E3. Ok, je vais prendre. Okay, je vais jouer à 3. Jouer cette finale. Okay, on va gagner un pion. Ouh là, il y a le fou D7 derrière. Ok. En fait, on gagne pas un pion, là, on gagne une tour. Ok, génial, 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 génial. Super. Ok, on prend n'importe qui. Ok, Jérena. Ok, pour le moment. Oh, il y a cavalier E5. Ouh là 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 là. Mais je fais encore une nouvelle fois pas une super impression dans l'ouverture. Ok, je vais faire petit roque. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ok, on va pousser E5. Ok, on va essayer de tenir le centre et faire F5. Allez, F5. Allez, c'est parti. On y va. Cette fois H5, après faire un espèce de clouage. Ok, il nous laisse avoir un gros centre. Ok, cavalier prend E5, ça paraît quand même assez violent ici. Ok, D4, maintenant il peut plus prendre le pion. Et ok, maintenant on va pouvoir faire C5, on va complètement fixer, et puis on va pousser au centre un jour ou l'autre. Ok, tour E8, on va faire E4 bientôt. Cavalier F6, on va faire E4, ne vous inquiétez pas. Ok, E4. Non, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Il ne menace pas forcément de reprendre E4 en fait. Parce que j'ai assez de pièces qui défendent. Et là, son cavalier est un peu dans le souci. Ok, j'ai envie de faire dame D6. J'ai envie de faire dame D6 et cavalier G4 en fait. Ok, du coup, je vais prendre ici. Je vais faire cavalier G4. J'ai envie de faire cavalier E5, cavalier F3 maintenant. Ok, je peux mettre madame en C6. Je suis pas sûr que j'ai joué de manière optimale. Je pense pas que j'ai joué de manière optimale, mais ok. Comme je disais, je suis pas à 100% là. Ok, on va faire cavalier E5 maintenant. Ok, je vais prendre et je vais mettre le cavalier en F3. Ouais, je peux le faire.
Je suis pas sûr que ça serve à grand chose en fait. Ah, j'ai la tour en E1 que j'avais pas vue. Mais ok, il peut faire juste roi F1 en fait. Ah, ok, s'il fait ça, du coup je prends E1 et ça va maintenant. Ok, maintenant ça va très bien même. Maintenant ça va même très très bien. Ok, on va essayer de prendre un autre adversaire. Donc, on a fait 2 contre Gerena. On va jouer. Ok, il joue un Blackmar. Pour le moment, je vais pas prendre le pion. Je vais essayer de faire fou G5 là. Ok, il va faire fou G5 tôt ou tard. Et je vais lui mettre E3. Ok, il fait pas fou G5. Ok, ça me dérange pas trop ce gambit en fait. Ok, une double attaque. Aïe! Si je prends C4, je me fais peut-être mater, mais je suis obligé de prendre. Allez. J'ai l'impression qu'il connaît son système, le mec. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il joue cette position. Du coup, ça me fait super peur. Du coup, je vais faire... Aïe, je sais pas quoi faire. Ça va pas du tout. J'ai perdu énormément de temps. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre ce pion, en fait. Okay. Je ramasse. On regardera tout à l'heure comment ça finit. Pour le moment, en tout cas, j'ai ramassé les pions, mais j'ai plus de temps. En fait, c'est ça le problème. Ok, tour prend D6, je suis bien. Ok, j'ai une pièce de plus. J'ai plus du tout de temps. Oh non, je prends dame prend. Ok. Ok. Yes! Oui petit, oui petit. Va apprendre à jouer tes finales. C'est une grosse séance de pré-move là. Come on. C'était chaud. Je pensais qu'on allait la perdre celle-là. Mais ok, on l'a gagné. C'est le plus important. Il veut pas rematch, mais ok, c'est pas grave. C'était vraiment tendu. Elle était vraiment tendue celle-là. C'était sympa qu'on réussisse à pré-move tous ces coups-là à la fin. Contre Corbla quand même, il était rapide. Allez, il faut retaper du joueur. J'en gagne tellement jamais. Ouais, celle-là, elle était tendue à finir. Mais ok, j'ai eu de la chance. J'ai anticipé tous ces coups et puis après, ça a rentré tout seul. Bon, allez, il faut qu'on trouve les adversaires. En tout cas, c'est des rapides. On est des rapides en face. Bon, allez. Allez. Qu'est-ce qui se passe? De nouveau, on rame un peu pour trouver des adversaires. Allez, ça va venir. On va un petit peu attendre. On a quand même affaire à des rapides. Comment je fais? Ouais, je sais pas. Comment les autres font? Parce que vous dites que moi, je joue vite. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont en face jouent pas lentement non plus, quoi. J'ai pas l'impression d'être le seul à être rapide, quoi. Ah, j'aime pas cette variante. Ok.
Ok, elle jouait une partie dans cette position en longue. C'était plutôt bien passé. Ok, donc le cavalier en C6 ici est cloué. En fait, c'est un petit problème que la dame... Voilà, ça c'est cadeau. Bravo, 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 bravo. Ça c'est sympa, le misclic. Le misclic qui fait du bien. Okay, on va ramener un cavale. Okay, je pense qu'il aurait pu jouer 10 000 fois mieux, moi aussi. On arrive dans cette position. Allez, H6, j'ai envie de garder des cases pour mon fou. On va cacher le fou. Ok, on va proposer d'échanger. Ok, pour le moment, on va attendre, on va voir ce qui se passe. Peut-être le fou en G5, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ok, ça c'est ultra pénible. Ok, là, je suis très mal. Ok, donc je tente ça pour me sauver. Je pense que c'est le meilleur moyen de brouiller les pistes en fait. Comme ça, je protège avec la dame. Ok, on va mettre un coup de tour en E8. Ça va prendre une fois. On va le forcer à prendre. On va prendre ici une fois. Et on va venir reprendre ici une fois. Et ok, on a une position dégueulasse, mais pas trop. Ok, fou G4. Ok, les finales, ça me fait jamais trop peur. Donc on va se mettre ici. Ok, j'ai pas ultra peur. Évidemment, je suis perdant, mais j'ai pas peur. Ok. On est déjà plus perdant. Okay, on va pouvoir refaire un tour de magie ou pas. Ok, et là, j'ai A2. Ah, et fou B1 marchait pas. Hey, il pensait que j'allais faire fou B1. La fin du facteur, la fin du facteur. Sur fou B1, il y avait tour C8 échec et il a pré-move le mauvais coup. Ah, la fin du facteur qui a marché. Ah, la fin de la moustache. Allez, hop. Ok, il la joue comme ça, donc on va venir récupérer la case D4 pour notre cavale. Ok, fou B5, on va mettre une grosse pression. On a ce dame prend E5 pour le moment. Je vais mettre le fou en A4. Ok, tout est cloué de partout. C'est un peu débile ce que je viens de faire. Il va falloir être très méfiant ici. Un peu con ce que je suis en train de faire, mais ok. Fou en A7, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Prendre P6. Ok, D5. Dame C4. Aïe, aïe, aïe. Prendre la dame. Prendre la dame. Comme ça, je m'attends C7. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh, comment il déjoue. Comment il a déjoué. Oh là là, le pauvre, le pauvre. Il était complètement gagnant. Il a juste déjoué. Ah, mais il pouvait pas prendre de la tour parce qu'il y avait dame C7 mat. Oh, je l'avais pas vu. Comment j'ai encore plus déjoué que lui. Comment je l'ai quand même gagné. Oh là là, comment ça fait mal de gagner sans le savoir pourquoi. Comment j'avais rien vu. Ok, j'ai eu beaucoup de bol. Ça fait partie du jeu. Donc, on va tout échanger. On va mettre le pion en E3. Okay, évidemment, il ne le prend pas. Je vais jouer A5 pour essayer d'installer une dame en B6. Expression assez dégueulasse. Ouh là là. Ah, mais comment ça pue. Oh, comment c'est de la merde.
Ah, je me fais mais dominer dans l'ouverture, truc de malade. Vraiment sur le skill de milieu de jeu et de finale que ça va. Pour moi, ça tient. Ok, A4. Sur E6, j'ai F6, je pense. Bah, si voilà, là, c'est de la détente. Là, si t'as pas fait un peu de yoga et que t'es pas un peu souple, à mon avis, tu passes pas l'hiver. Ok. On va défendre ça. De toute façon, on a l'habitude de défendre des poubelles. Ok. Je fais un échec, je fais dame E3. Ok, il va falloir que je rentre dans cette finale. Ok, on va faire un échec. Ok, je fais maté en 1. Ok, on va essayer de prendre un nouvel adversaire avec un plus gros elo. Ok. Stopinski 2552. Il veut directement rentrer dans une finale. Ok, je prends. Qui s'y croit que je la connais pas, celle-là. Ok, il peut pas prendre à cause de E5. Là, j'ai un peu... J'aime pas trop ma pose. Il la connaît mieux que moi. Je suis dominé, là. Je suis dominé. Comment j'aime pas me faire dominer comme ça. Il y a cavalier E4, échec, et j'abandonne. Ah, je me suis fait dominer dans cette finale. Ok, il va jouer que des positions comme ça, lui. On n'est pas tombé sur un original. Ok, je vais ramener mon cavalier en F4. Il veut jouer des plans simples, on va jouer des plans simples. Il veut ramener son cavalier aussi là-bas. Ok, j'ai cavalier H5 pour faire cavalier F4 ici. Je pense qu'il n'a pas qu'à prendre E5, cause dame prend E5. Ok, là ça devient pénible. Là c'est un peu pénible pour lui. Ok, je vais jouer F6. Pas forcément très content d'avoir dû jouer F6, mais c'est pas trop grave. J'ai quand même cavalier F4, je vais devoir perdre un tempo maintenant. Ok, si tu crois que tu vas faire fou F4, tu peux... Ok, fais fou C4, mais ok, il n'y a plus madame déjà. Ok. Je vais faire B6, je vais essayer de faire fou C5 moi aussi. Ok. Ok, je vais prendre. Ah non! Je peux pas prendre parce qu'il... Oh non! Poisse! Et ici la dame G4. Ah la poisse! Je l'ai vu juste après avoir joué. Ah! Comment je le dominais? C'est ça. Ah! Comment c'est frustrant. On peut plus rien faire là. C'est fini de chez fini. Ok, tour prend H3 et c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est très fort. Hein. Dommage, pour la dernière partie, quand même, j'étais assez bien. Ok. J'ai l'impression qu'il va me dominer dans ces positions-là. Ce sont pas forcément mes meilleures positions. Je vais faire B5 ici. Je vais être obligé de faire B5 moi-même, mais ça va pas du tout ça encore. Ok, il se retrouve avec un pion isolé, mais il a une bonne activité. Ok, on va le bloquer ce pion. Je vais prendre une fois. Je vais lui enlever son pion isolé.
J'ai la case C6 quand même. Ok, faut que j'empêche cavalier de venir. Ok, dame prend B5 si c'est bon. Je me sens pas très tranchant là. Je crois que ça marche. Je crois que c'est... Ah non! Non, je me fais mater. Je me fais mater sur... Oh, mais c'est pas possible. J'ai raté... Ouh, il a raté la tactique aussi. Bah, on a tous les deux tout raté parce qu'il avait tour sur la première et cavalier G4. Donc, ok, pas de regret. Moi, j'ai pas l'impression d'être trop nul. Sinon, je vais dire que c'était quand même assez frustrant. J'ai quand même l'impression que de rien voir et que lui voyait tout. Donc en fait là on n'a rien vu tous les deux. Bon là il est juste beaucoup plus rapide que moi. Ok. Yes! Yes! Come on! Come on. Ok, c'est cool qu'il ait pas vu la variante de tout à l'heure parce que j'aurais vraiment eu l'impression de passer pour une merde, quoi. Et ok, le fait qu'il ait pas vu non plus, ça me rassure. Il veut dire quoi? Que je peux pas prendre en D4 à cause... J'ai pas d'âme prendre des 4, j'arrive pas à calculer, putain. J'arrive pas à calculer, j'ai l'impression qu'il me met des pièges. Il y avait peut-être rien, quoi. Il me faisait peut-être juste réfléchir pour rien. Je le sens pas ce jeu, je le sens pas. Ok. Bon, pourquoi pas. J'empêche F4 au moins pour le moment. Ok, on va se mettre sur la colonne en face. Ok, fou B4. Ah, il a peut-être fou prend. Aïe. Ok, il le joue pas parce qu'il avait peur de perdre le pion E4. Qu'il joue B5. Ok, cavalier D7. Fou C5. Ok, maintenant on est d'accord pour échanger les fous. Ok, prise, cavalier C5. Allez, faut réussir à récupérer des cases. H6. Il faut jouer un coup là. Il joue trop lentement pour le moment. Comme un escalier B3. Comme un escalier D3 maintenant, échec, ok. Ok. La tour sur D4. Tour D3, échec. B6. Les cavaliers ici. Très pénible. Ok, ça va mieux là. Ok. Faut accélérer là. Ok. Yes. Et maintenant, on pousse le pion B, ça va tout seul. Ok. 2-2. Là, ça tape très fort. Ok, il change de variante. Attrape le pion, Kev. Ok, on va mettre le cavalier en E5. On va quand même échanger. Ok, ça va nous gagner de l'espace. Ok, on va clouer le pion. Ok, on va prendre ici. Ok, j'ai absolument rien obtenu. Ok, attaque le pion B6 quand même. Mais la cavalier D7 ici. Défend assez facilement. J'aurais dû prendre plus tôt.
Je suis complètement égal, ça. Je me fais. Le cavalier va se ramener. Ouais, je me fais terroriser maintenant. Okay, je vais ramener le cavalier en C5 quand même. Finalement. Il va menacer ce pion, mais est-ce que c'est si grave? Ouais, il va réussir à me visser. Okay, c'est une lutte, hein. Là, c'est vraiment un combat. Okay, j'ai réussi à récupérer ça. Aïe, son pion passe. Ok, trop fort. C'est de la merde. Il domine un peu dans les ouvertures, hein. Il faut le signaler. Il va avoir D4 et tutti quanti. J'ai un temps de retard une nouvelle fois. Peut-être fois H3 pour essayer d'échanger fou ici. Ça me fait pas trop peur. Il y a E6 ici qui est un peu pénible. J'aurais jamais dû prendre ça. Maintenant il a cavalier C5. Il voit tout quoi. Absolument affreux. C'est absolument affreux. Absolument rien à faire. Il y a absolument rien à faire. Alors, j'essaye d'un petit peu. Aïe! J'ai oublié ce coup tour des deux. Ah, j'en ai perdu deux. C'est trop fort. Ok, on va essayer de faire E4. J'aurais pas dû prendre. Ah, je suis un ton en dessous là. Par rapport à mon adversaire. Pas le temps de bien m'organiser dans l'ouverture. Du coup, je rate pas mal de coups. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qui fout C3. La tour ici me dérange pas trop pour le moment. Je vais mettre la tour en 1. En revanche, dame C6, ça va me poser problème. Ok, cavalier H4 me sauve. C'est pas vraiment la position de rêve. Même pas du tout, en fait. Là, ça devient trop tactique. Ça devient trop tactique, mais c'est surtout tactique de son côté en fait. C'est-à-dire que toutes les tactiques qui éventuellement peuvent marcher, elles sont pour lui. Ok, on va peut-être réussir à échanger ça.
qui vont obtenir une finale égale. Ce qui est déjà un rêve, hein. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Pion de son sur noir, de toute façon, de base. C'est de la merde, mais liquide, quoi. Ok, on va réussir à faire nul. Ok. Relou. Pourquoi est-ce que je joue ce système? Je connais pas du tout en plus. Oh là là. Je vais avoir dans les ouvertures en fait depuis tout à l'heure. Je perds à chaque fois 40 secondes dans les ouvertures pour jouer quelque chose. Il joue que des trucs que je connais pas bien. C'est vraiment là que je me fais battre. Ah, il y a dame prend dame. Putain, qu'il est nul, quoi. Ah, il me domine vraiment, là. C'est horrible. Que je sais pas comment il fait, quoi. Il a toutes les variantes que je connais pas bien. Bah, c'est variantes de boulettes aussi en même temps. Ok, là je trouve rien une nouvelle fois. Ok, on va faire H4. Ok, il va pousser comme un gros malade, quoi. Ok, on va tenir ça comme ça. C'est vraiment, il ne fait pas très peur. Ok, on pousse aussi. Ok, je vais pousser aussi comme un bourrin. De toute façon, je suis obligé de jouer comme un bourrin là. Okay, on va tout pousser. Qui va pousser. S'il met le fou dans le coin en fait. Qui va mettre le cavalier en D3. Vas-y, viens prendre le cavalier. Vas-y, prends-le. Et on va prendre là. Ok, celle-là, elle sent bon quand même. Je suis en train de cracoter là. Comme une cracotte. Crac, crac. Ok, ça je l'ai vu. Ok, 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 ok. Calme, calme, calme. Yes! Yes! Vas-y, mange ton mat, vas-y, paye ton mat. Ok. Pousser quoi. Ok, cavalier D4, c'est hyper pénible. Ok, il le fait pas. Et bam, ok, on va pousser quoi. Et je perds un pion. Mais ok, changer de style. Je veux plus reculer quoi. Je veux plus reculer. Je vais avancer, 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 avancer. Ok, je protège. J'attaque ici éventuellement. Faut que je trouve un coup là.
C'est de la merde ça. Ok, rien du caillou en D4. Ah, la pourriture va échanger les dames. Ok, va échanger de toute façon. Et ok, cette position est censée être complètement égale. Faut F6. Et ok, il n'y a que dalle. On sait jamais. Attends, t'as pas deux pièces à attaquer? C'est pas ce qu'on appellerait une double attaque? C'est pas ce qu'on appellerait une double attaque, Coco? Vas-y, vas-y, viens, fais un mangiare, mangiare. Tour B5, aïe aïe aïe, il faut que je joue vite quand même. Ouais, on va, vas-y, ça t'en as plus besoin déjà, dégage. Voilà. Ça, tu sais. Ça, j'en gagne tous les matins au petit-déj, des finales comme ça. Non, je lui dis, hein, c'est pour qu'il sache. Seul truc, c'est de pas rester. Voilà, pas de rester avec les mauvais pions. Celle-là, en plus, je la connais. Il se trouve que je sais qu'elle est complètement gagnante. Parce que moi, le matin, pour me détendre, je fais des finales. Au petit-déj. Vas-y, reviens! Ah, il revient pas. Mais ok, on s'est pas fait humilier en fait. Parce qu'il était bien dans les ouvertures, on a bien réagi. On a bien réagi, c'était pas mal, c'était pas mal. Ce qui dominait, et on aurait pu se prendre le rouleau compresseur à un moment donné, franchement. Ça aurait pu mal enchaîner. Ça aurait vraiment pu faire le rouleau compresseur et genre il nous fait très 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 mal. Mais en fait, ça s'est pas passé. En fait, on a bien réagi, on a remonté le caleçon et on a bien joué. Je suis content, je suis content. Je suis content, ça aurait pu être beaucoup bien pire. Ouais, je l'ai régulé. Rangy had to regulate. Ok, voilà, on va essayer de réguler celui-là. Ok, je suis en train de faire n'importe quoi. On va mettre le fou en F6. Je suis pas sûr que lui ait très bien joué de son côté, hein. Oh, j'avais mat en 1. Oh là là. Oh, mais le voleur, quoi. Oh, et là, il a pion. Ah, ça marche. Si, si, il a prise. Je rate un mat en 1, quoi. Ok. Ok, mais je suis nul, quoi. Oh, je suis nul. J'ai un peu la tête au fond du sac, là. Je sais pas comment il veut la gagner, donc on va attendre, on va regarder. Ok, mais quand tu rates un mat en 1, y a plus de respect, quoi. Ok, en revanche, quand tu fais une enfilade du dimanche, t'es content. Vas-y, réfléchis. Voilà, bravo. Ouais, ça passe. Ouais, je sais. Ouais, je sais, c'était classe. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc on va prendre. Ok, tour 1. On va essayer de jouer cette variante comme on peut. D4. Ok, on va jouer un type 2 française. Cavalier en H5 déjà. Ça va décorer. Je vais pas reprendre avec le pion ici. Je vais faire un gros jeu de pièces en fait. Okay, on va prendre. On va prendre. On va mettre la dame en G4. On va mettre le fou en G5. Quoi. Allez, on va ramener tout le monde.
Ok, on va faire H5. C'est encore foireux ça. Ok, il va prendre, mais on va fixer avec fou D4 en fait. En fait, comme ça, on empêche au pion d'avancer. Ce pion-là, je le récupère tout à l'heure en fait. Ouais, c'est pas grave, si tu veux essayer de le garder, garde-le quoi. Moi perso, ça me dérange pas quoi. Tu fais ta life. Hein. Tu fais ta life avec tes pions quoi. Chacun sa life, voilà, ça c'est une life de pion. Ouais, parce que là en fait, si tu veux, c'est que tu fais ta life, mais d'un autre côté, tu fais ta life de loser de tour quoi. Voilà, bravo. Ça c'était sympa, ça c'était sympa. On peut dire qu'il a fait plaisir. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. C'est le pion C2. Menacer qu'elle prend D5. Voilà. Ok, il a fait plaisir. Ah, c'est plus facile que contre le grand maître qu'on a joué juste avant, évidemment. Hein. On voit quand même la différence de niveau. Fait quand même très plaisir en ce qui nous concerne. Ok, j'ai envie de risquer ça. Ouais, c'est ce que je pensais qu'il allait jouer ça en fait. Et du coup, on récupère le cavale et on se retrouve avec une pièce de. Non, on se retrouve avec une pièce de plus, on se retrouve avec 3 pions de plus. 3 pions de plus. Ok, on va faire cavalier E4, je sais pas. Tous les coups gagnent ici. Ok, okay, prend C3. On a ce cavalier E2 échec, fou prend A1. Je mets le fou en F6. Ok, c'est pas un problème. C'est trop difficile à jouer pour lui. Cavalier saute partout. Hop. Hop. Ok. Victoire tranquille. Allez, il revient. Il me trompe. Ah, le petit scarabée souffre ici. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, mon ami? À la limite, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Si tu veux échanger, échangeons quoi. Je vais faire tour B1. Non, je vais faire B5. Pourquoi tour B1? Allez, faut continuer à attaquer. Faut rester conquérant. On va gagner un pion en fait. C'est quand même important comme pion. On va mettre la tour en D1. Ok, ça va. J'ai l'impression que j'ai cavalier D3 à tout moment et je le repousse. Comme ça, ces tours sont repoussées. Ok, mais bon, là, je prends ça. Je prends ça. Si tu reprends pas, je pars quoi. Eh oui, petit. Si tu reprends pas le cavale, je pars. Allez, reviens. C'est clair, on lui a fait très mal. On lui a fait très très mal. Et il est en train de se dire, la Scandinave, ça réfute 4. En train de se dire, je suis réfuté. Ok, il a changé de variante. Il a bien fait d'ailleurs. Okay, on va se barrer. Ok, c'est juste égalisant quoi. Ok, si tu veux échanger tout, échangeons tout. Échange, échange, échange. Aïe, 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 aïe. Ok, si tu veux échanger encore, échangeons.
Et on va prendre. On va prendre. On va mettre notre dame en E7. Okay, elle a peut-être un tout petit plus, mais ok, ça fait pas très peur pour le moment. On va continuer à échanger les tours. Okay, on va pouvoir peut-être. Okay, ça me fait pas peur. Tu veux menacer un mat, ok. C'est pas très impressionnant comme attaque de mat. Le fou en E4. Nous en revanche, on va recycler nos pièces. Non, ça c'est mauvais, ça. Comment j'ai fait un coup de merde encore. J'avais juste vous prendre. Ça, c'est bien. Ok, là, je suis pas très bien. Essayer d'échanger un peu. Ah, je donne ça. Ok. Non! Non! Non, 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 on a perdu à 0-0-2. Bon, allez, on change d'adversaire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 frustrant, 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 à 0-0-2. Relou, celle-là. Je pensais que je le tenais, il avait ralenti. Ok, low budget. Ok, la carocane. Ok, on va jouer des pions pendant. Ok, les pions pendant ont l'air pas mal ici. C'est peut-être un poil prématuré ce coup des 5. C'est juste que j'ai l'impression que, ok, je fous le bordel. J'ai des grosses menaces de mat. Ok, je menace genre qu'il prend C6, fou prend F6. Ok, j'ai des menaces, les mecs. Ok, je recule le fou. Je garde toutes mes menaces. Ok, maintenant je veux qu'il bouge le cavalier pour lui mettre un mat en G7. Je vais faire cavalier G4 maintenant. Ok. Je comprends ce qui se passe sur cavalier G4. Ok, roi H1. Je touche à rien. Je garde les menaces en F6. Est-ce que je rate un truc dans le calcul? Il faut prendre D4. J'ai l'impression que je le mate comme un bourrin. Ok, prise. Je le prends et je le mate sur G7. Non. Y a pas de mat sur G7. Oh non! J'ai donné une tour.
Ok, on va le mater comme l'autre de tout à l'heure. Ok, on va la faire comme l'autre de tout à l'heure. Ok. C'était moche, on a dû la gagner 10 000 fois, mais ok. Comme l'autre de tout à l'heure. Ok, mais reviens dans ces cas à low budget. Enfin, je trouve qu'on a dominé les pions, les pions pendant. On a fait des menaces de maths et tout. Le mec s'est sauvé comme un génie. Mais ok, il a quand même perdu, quoi. On mérite quand même une revanche, là. Eh, low budget. Bah, il est reparti. Il est reparti, du coup. Bah, c'est dommage. Il aurait dû rester. C'était fun. Ok, je suis un peu déçu par low budget. Il aurait quand même dû rester. C'était un peu marrant, et puis ok, quoi. Pourquoi pas. Ok. On est reparti. Faut retrouver des matchs. Allez, allez, les gens. Oui, elle a bien sauvé ça en faisant des sacrifices sur les mises. Adam, tu voulais la prendre. Ouais, mais j'aurais pu faire plein de choses, Prime Chou. C'est passé un tas de trucs. Bon, le fidèle, 22,70. Ah, mais bah, en fait, depuis tout à l'heure, mes écouteurs sont pas branchés. C'est pour ça que le son arrive pas vite dans mes oreilles. Voilà, hop, on a branché les écouteurs. Ça va être mieux. J'ai l'an de l'eau. Réussis pas à se reprendre des bons. Ouais, c'est beaucoup mieux. J'entendais le son bas. Ouais, ça me gênait pour jouer vite. Ok, E5. Du coup, là-dessus, c'est fou G4, je crois. J'essaye. Bon, normalement, de suivre sur une théorie. Donc là, c'est pas mal parce que. J'ai fait un double clouage. C'est cool parce que si fait H3, j'ai pion prend F3. Et sur pion prend G4, il y a pion prend G2. Et en fait, je refais une fourchette qui me permet de gagner du matos. Parce que là, en fait, je vais faire dame prend H5. Et j'ai un dame. C'est vraiment parce que c'est vous. C'est vraiment parce que c'est vous. Et du coup, j'ai envie de faire des trucs un peu marrants. Ok, on va faire un échec. Et je vais roquer. C'est vraiment parce que vous êtes là, sinon j'aurais sûrement fait pion prend F1, mais ok, puis dame prend H5 et j'ai un dame, ok, ça oh. Ok, mais avouez que c'est beau. Ok, on va mettre la dame en H, G6, en... je sais pas où la foutre cette dame. Ok. Pas vraiment de bonne case pour cette dame. J'aime pas du tout la tournure que prennent les événements. Donc on va rendre une pièce. C'est évidemment pas dans le plan de base. Ok, s'il échange les dames, c'est une bonne nouvelle. Je comprends pas trop son approche ici. Non, j'aime pas ce coup non plus. Ok, j'ai très mal joué. Ok, mon jeu ajusté était horrible. Le jeu a été horrible, le sien était encore pire. Et au final, ça gagne. Je vais quand même essayer de reprendre quelqu'un de plus fort. Ok. Ok. Ok, on va prendre ça, machin. Ok. Ok,
on va prendre ça. Cette position est pas bien pour les, pas forcément mieux pour les blancs. Il faut le savoir. Faut que je trouve un plan là. Ça, c'est pas un plan ça. Pas très bien pour le moment cette finale. Ok, du coup je vais réussir à échanger un cavalier quand même. Par exemple de... Oh ! Allez, un pion. Hop ! Quel génie ce cavalier. On a eu un cavalier assez génial quand même. Jolly jumper. Passer devant. Pas mal. Hop, on a fixé le fou là-bas. Hop. Une fourchette. Ouh là là. Comment il a craqué le caleçon à l'aile dame. Oh là là, il a plus de caleçon là. Il a perdu le caleçon à l'aile dame là. Ouh là 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 là. Il ne restait plus rien là. Aïe, aïe, aïe. Pour lui, c'était difficile, ça. J'aime pas cette position. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, cette position. Aïe, 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 aïe. C'est horrible. Bon, allez, je vais faire dame C8. Je vais aller le mater, quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre, là? J'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris là. Bah ok quoi. C'est quoi le problème profond de ce qui vient de se passer pour moi? Ah, je me fais mater comme une merde. Ah, comment j'oublie ça? J'aurais mis le fou en G4, c'était bon. Oh non. N'importe quoi. N'importe quoi. Je me suis trop relâché. Tu perds ça, quoi. Quelle honte. Là, il y a prise et ok. Quelle honte. C'est vraiment de la merde ce que j'ai fait. Ah, je laisse le cavalier maintenant. Oh là là, concentre-toi. Et en C6 quoi. Point à 5. Non mais c'est mauvais ça. Ok, j'ai pas forcément bien joué, mais ok, on va essayer de faire ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'il fait encore? Ok. Ok, déjà, je vais garder cette position qui me paraît correcte. On va essayer de presser à partir d'ici. Ok, petit à petit. Voilà. Si, si.
Après, je fous des 7 du coup. Oh, je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest, il faut reconnaître. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est censé me faire peur là ce qu'il est en train de faire? C'est juste un questionnement en fait. Je suis censé avoir peur de cette merde? Attends, vous êtes sérieux les mecs? Ok, une nouvelle fois je suis très bien quoi, mais ça cette fois-ci je peux pas le rater, je mets Dame B1 échec. Non, mais ça sincèrement je peux pas rater, il y a mat en 1. Ok, vas-y reviens si t'en as le courage. Ça commence à taper fort là. Ok, il essaye la française. C'est mauvais. Okay, on va faire A3, B4, fou B2. Allez, hop. Ah, il veut tout trade. En fait, c'est pas top ça pour moi. Et j'ai pas trop de... J'ai un pion arrière en C2. Ah, il avait le fou en prise! Arrêtez les gens, il avait le fou en prise depuis... Je l'ai pas vu, non mais attendez. Mais attendez, j'ai pas vu qu'il avait un fou en prise en un coup quoi. Et je dis que je joue aux échecs quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais franchement quoi. N'importe quoi. Enfermement de cavalier par derrière. Ouais, vas-y. Tu rentres dans la finale de pion. Vas-y, viens, je t'attends. Ah, mais c'est nul d'avoir fait ça. Ah, mais c'est nul. J'ai fait un gros trou, quoi. Ah mais il y a le pion H2 qui me sauve. Oh le génie. Je parle du pion H2 évidemment. Oh ce pion est un génie. Vas-y à toi. Vas-y joue G2. Voilà. Yes. Oh le pion H2 le génie l'empêcher roi G3. Oh là là. Mais comment le pion H2 t'as envie de lui dire merci après? Comment t'as envie de lui dire wesh tonton? T'as vraiment envie de dire wesh tonton t'es là? Non il a fait plaisir. Il a tout sauvé quoi. Tout seul comme un grand il a gagné la partie. Ouais le pion H2 MVP du truc ouais. H2 génie de la partie quoi. C'est pas un title Tuesday. C'est pas un title Tuesday Zog Addict. Allez oui. Viens. Viens sur le pion F5. Si on va aller choper le pion F5. Ouais vas-y donne le pion. Vas-y F6. Visage en bonne et due forme. Ah, vas-y. No panique, pas de panique. Voilà, vas-y, viens. Ok, je vais décaler le roi. Allez, on va venir par la colonne H. Ah, on peut... Oh non, je masse pas tour H1 parce qu'il y a le fou. C'est horrible, allez, tour H3. Faut pas lâcher. Ah mais y a rien de plus qu'un échec.
Oh non, mais j'ai plus d'âme à 5 à tour prend. Aïe! Ah, j'ai craqué. J'ai craqué le caleçon, j'ai craqué le caleçon. Qu'est-ce qu'il veut? Je me fais manger comme un bleu de, comme un bleu d'Auvergne. Il a repris le dessus là. Ok, ah, y a dame prend ici non. Ok, il le voit pas. Là, il joue plus vite quand même, hein. Ok. Ok, bon an mal an, on a réussi à défendre. Maintenant, c'est venu la phase massacre à la tronçonneuse. Je te mate comme une brute. Okay, je vais planquer ma tour. On s'en fout, quoi. Tour ici, quand même. Je sais pas, ça marche pas du tout en fait. J'essaie de trouver quelque chose, mais il y a rien qui marche pour le moment. Comme ça, à la limite, c'est pas très grave. Le problème, c'est que j'ai plus de temps, quoi. Oui! Oui, petit, nul par répétition. Merci, c'était cadeau. C'était cadeau. On va essayer de jouer comme ça. Aïe, aïe, aïe. J'avais pas vu celle-là. Je vais me tromper quelque part, hein. Ok, mais au pire, c'est pas catastrophique. Oui, c'est pas catastrophique. Oui, c'est pas catastrophique parce qu'il donne. Oui, petit. Fais des cadeaux. Il fait des cadeaux à son papa. C'est bien ça. Voilà, échange les dames. Oui, petit. Fantastique. Vas-y, continue à échanger. Continue à échanger. Voilà, allez, échange les pions. Allez, on échange les tours si tu veux. Non, on veut pas? Bon, on ne change pas les tours, tant pis. On va créer un pion passé. Tranquille, c'est du tai chi maintenant. Voilà, vas-y, ça tu veux le prendre. Non, ça c'est pas. Ça tu peux pas le toucher. Recule. Voilà. Exactement ce que je voulais. Voilà, le petit checkmate pattern qui fait plaisir. Petit checkmate pattern qui t'apprend que t'es pas chez toi. Ok, il a fait plaisir celui-là, on l'a bien. On a fait de la bouillie celui-là. Allez, il revient. C'est vrai que ça n'avait pas trop plu cette ouverture. Pas trop ça. C'est de prendre ici. On va fermer les portes. Les pions sur blanc, le fou sur noir. Pion à 7. Et oui, il fallait aller servir. Il y avait un snack en A7.
je crois que je vais faire B prend. Ouais, voilà, voilà. Ça, tu vois, c'est typiquement le piège qui n'a pas marché. Voilà. Maintenant, tu as voulu jouer à ça. Voilà, maintenant on va bien mettre le fou en B6, comme ça ça va bien te gêner, le fou il est bien placé. Pion C4. On va bien pousser le pion. Après, ça me fait un peu mal au cœur de lui laisser la dame parce qu'elle n'est pas vraiment utile, sa dame. Moi, j'ai presque envie de mettre un fou en B8, voilà. Ça, on n'en parle plus. Mince, comment j'ai pu rater ça? Horrible. C'était hyper facile à gagner, j'ai raté 40 gains. J'ai raté 40 gains dans la dernière. Allez, vas-y, viens. On va aller l'attaquer à la bourrin, quoi. Comment tu te défends maintenant? Comment tu te défends? Vas-y, défends-toi. Vas-y, apprends à jouer aux échecs. Là, pour flaguer, t'as été fort. Mais là, vas-y, viens. Voilà. Bill Gates s'est pris la même. Hein. Je sais pas si les gens le savent. Contre Carlsen. Ok. Where is the problem? Pas ce coup évidemment. Je peux pas faire fou prend à cause de cavalier E5. Non mais attends, mais c'est là. Ouais, il y a ça, mais c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais comment c'est nul? Oh là là. Comment c'est la cata? Oh, il y a cavalier E5. Oh, y... Pff, comment c'est la cata ce truc? Laisse tomber. C'est de la merde tous ces coups. Pff, ça n'a ni ça, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Ça ne peut même pas ça une partie d'échec, quoi. Je sais même pas moi-même vraiment ce que je tente. Mais ok, je suis obligé de la continuer. Pour le moment, j'attends. Ok, c'est peut-être pas si mal.
Ok. Oui, petit. Vas-y, reviens. Vas-y, reviens. C'est tendu du caleçon, là. Sens vraiment qu'on n'a pas à avoir peur de lui en finale, franchement. Ok, B6. C'est pas un problème. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Mais ok, c'est gérable. Comprends pas trop ce qu'il fait en fait. Il y a un problème dans cette position, c'est mes pièces. Waouh! Quel cadeau! Il faut dire qu'on a fait un peu craquer le mec. Faut le signaler, le mec a un petit peu craqué. Moi aussi. Aïe aïe aïe. Il peut pas stopper la dame. Oui, ce clou tout seul. Oh, le clou du spectacle. Il s'est battu tout seul là. La partie c'était cadeau. La partie, c'était cadeau. Je vais vraiment faire la partie précédente. Ok. Ça sent quand même bon là. Ok, KC7 échec derrière. Pas se tromper ici. Il faut que je mate. Faut que je fasse les choses propres. Fou B6 mate. Dame prend E7. Voilà. Monsieur propre. Monsieur propre. Là, je crois qu'on est en train de le faire. Là, je crois qu'on est en train de le faire tourner. Je crois qu'on est en train de lui faire très mal à la tête là. Je crois qu'on lui est en train de lui faire très 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 mal à la tête, à la cabeça. Elle a pris un coup derrière la cabeça. C'était un peu con ce que j'ai fait encore une nouvelle fois. Je joue pas très bien franchement, hein. On va défendre. Ok, mais le truc c'est que j'ai rien du tout, hein. C'est du bluff, mais du pur bluff, quoi. Il n'y a rien. La position est horrible. Je vais une nouvelle fois jouer une partie horrible. Mais depuis tout à l'heure, ça marche. Oh là 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 là! Mais comment il fait un misclick de nouveau? Non, mais attendez, on a trop de chance.
On a trop de chance. C'est une nouvelle fois une partie, mais pourrie, quoi. Je crois qu'on l'a fait craquer dans sa tête, là. Hein. À mon avis... À mon avis, il en a pris... Il en a pris une belle... belle derrière le... Derrière la cafetière, hein, comme on dit. Franchement, en jouant, mais comme un pied, quoi. Moi, je joue vraiment mal. Ok. On va défendre un petit peu. Ok, maintenant, on va bourriner, quoi. Sinon, je vois pas d'attaque pour mon adversaire. Ok, je vais prendre une fois. Ok, je vois absolument rien pour les noirs, de toute façon. Ok, on reste plus qu'à pousser le pion. Ok, victoire hyper facile. Oh là là, ça tourne à la démonstration, là. Là, ça tourne à la démonstration. Ça fait plaisir parce que c'est pas souvent le cas. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Ah, c'est vrai que notre ami... Enfin, d'ailleurs, j'ai notre ami, mais on n'est pas du tout amis, mais... Mais là, notre homologue autrichien. Il ne sait plus où il habite. C'est mauvais, ça. Ok, j'ai une nouvelle fois super mal joué. Enfin, en plus, j'ai l'impression de jouer de moins en moins bien, en fait. C'est perdant. Ok, on a fini par en perdre une. Ok, celle-là. Celle-là, ok, c'est celle de trop. C'est pas l'Autriche. Non, c'est un laiton, effectivement. C'est un laiton. Ouais, c'est un laiton. Pas facile pour le laiton, hein. Sauf que si en plus il croit qu'il vit en Autriche, on est mal. Il va quand même récupérer le pion. Ouh là là, alors que c'est déjà presque l'heure de s'en aller. Oh aïe 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 aïe. J'aurais super mal joué aussi, hein, franchement. On ne se sera pas tiré vers le haut, dirais-je. C'est pas ce qu'il prend E6 et tour prend E7. Le fou pour couvrir. Pion H5. Ok, tour F2. Tour prend F7. Okay, zéro problème ici pour moi. On va pousser le pion maintenant. Voilà. Ça, il y a la tour qui disparaît aussi. Parce qu'il va pas avoir beaucoup de cases, hein. Ok. Ce cavalier qui tombe. Et maintenant, on va pouvoir s'approcher avec le roi.
Ok, bah c'est pas mal. 2602. Comme ça, on arrête au-dessus de 2006. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On l'a battu 13-4. Ok, il en a gagné une, qu'il aurait peut-être pas dû gagner à la précédente. Hein. On aurait dû l'écraser mieux. Mais notre ami Letton, voilà, on l'a ramené en Lettonie, là, il est clair. Il est clair qu'on l'accompagne en Lettonie. Est-ce que vous voulez en faire quelques-unes de plus? Allez, on va voir si les gens veulent en faire quelques-unes de plus. La souris, elle est là. La légende. La légende. Razor Imperator 2012. La légende est là. Est-ce que vous voulez en faire quelques-unes de plus ou pas? Je sais pas déjà combien il y a de gens. Allez, si on est à plus de 60, j'en fais encore quelques-unes. Sinon, c'est temps, il est temps de s'en aller. On va voir. On va en faire encore quelques-unes. Allez, ce sera en bonus. Ça